je me permets de vous dire merci pour votre accueil. Nous sommes fait un tout temps et un fois d'invite nous disait, écoutez, si vous voulez venir, venez. Et nous sommes là. Et nous sommes là. Je voulais aussi, au nom de mon épouse, moi aussi, vous exprimer notre reconnaissance. Parce que certains parmi vous étaient venus chez nous lorsque nous étions venus de Montbéliard. Pour les 500 ans de la Réformation. Et une fois arrivés dans la métropole lyonnaise, vous ne cessez de venir nous voir. C'est agréable. Nous tenons à vous exprimer très sincèrement nos reconnaissances. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, Dieu nous donne l'occasion de visiter ce texte, cet évangile. Pour cette fin d'année et pour nous introduire dans la nouvelle année. Cette portion d'évangile qui nous est proposée est le discours de Jésus dans la plaine, encore appelé sermon dans la plaine. Et ce sermon n'a rien à voir dans la réalité avec le sermon de Matthieu sur la montagne. Ce sermon dans la plaine comporte trois passages, trois parties. Les béatitudes, et je me suis dit, parce qu'en fait des béatitudes, il y a une autre portion qui nous parle des malheurs. Heureux serez-vous, malheur à vous. Je me suis dit, si on parle de béatitudes, faut-il aussi parler de malétude? Deuxième partie, l'amour des autres, l'amour des ennemis. Et enfin, vrai ou faux disciple. Ce soir, Luc nous présente de manière particulière l'amour des autres et plus particulièrement l'amour des ennemis. Jésus descend donc de cette plaine et trouve une foule nombreuse et il a commencé par choisir d'abord les 12 parmi cette multitude. Ces 12, il les nomma apôtres. Cette foule qui était là, réalité, est venue pour se faire guérir, se faire soigner, pour retrouver la vie, sa vitalité. Jésus couvra donc la bouche, après les avoir institués, présente deux catégories de personnes. Je dirais deux situations de vie. D'abord, la première catégorie, il dit, vous êtes heureux. Deuxième catégorie, malheur à vous. En réalité, Jésus voulait dire à ses disciples que vous serez confrontés à cette réalité de manière quotidienne. Votre vie sera menacée, fragilisée, mais plus vous allez résister, vous serez bénis. Et vous devez savoir aussi que dans la société, d'autres personnes vont se liguer contre vous et chercheront à vous faire du mal. Malheur donc à vous, à ceux-là. Il s'adresse donc Jésus dans tout ce qui est heureux, malheureux. Il s'adresse aux riches, aux rieurs, ceux qui se moquent des gens, ceux qui sont bien rassasiés, ceux-là peut-être que le monde respecte et gratifie. Jésus dit, en tout cas si cela vous arrive, sachez ceci, que vous qui souffrez, en réalité, vous ne voulez pas
que ces personnes sont maudites. Non, vous souffrez, mais vous n'êtes pas maudits. Mais en réalité, livrez-leur tout simplement que vous qui êtes humiliés aujourd'hui, vous serez relevés demain. C'est en cela que tout au début de cet évangile, nous pouvons lire et chanter le Magnificat de Marie. De quoi s'agit-il? Les puissants seront détrônés et les faibles relevés. Cela qu'on ne considère même pas, selon relevé. Et ce passage fait en même temps aussi allusion à un texte, un récit que vous connaissez très bien. La parabole du riche et du pauvre Lazare. Lazare souffert toute sa vie. On pensait qu'il est maudit. Et que le riche, on pensait qu'il est béni. Mais à la fin des temps, qui a été consolé? C'est qui? C'est Lazare. Cela illustre la dimension de la vie sociale que l'évangile de Luc nous présente. Quand vous lisez tout l'évangile de Luc, nous pouvons dire, résumer cet évangile, la vie sociale. Comment devait être notre vie sociale, notre vie en société? Donc, en face des béatitudes, il y a tout ce qui est dit portant sur le malheur pour introduire simplement cette catégorie de vie que nous devons mener. La vie en société doit être faite de l'amour. C'est pourquoi il dit l'amour des autres, l'amour de vos ennemis. Et il souligne avec force, il appelle que vous devez aimer vos ennemis. Et cela constitue une originalité dans l'évangile de Luc. Originalité dans le message de Jésus. Je dirais même un marqueur particulier par rapport même à l'éthique juive. Pour les juifs, ben, il faut aimer simplement les compatriotes. Si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas vous traiter comme voilà. Et aussi, dans le gouvernement en ce temps-là, gréco-romain, c'est la réciprocité. Donnant, donnant. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Jésus vient s'opposer à ces principes-là. Pour lui, vous devez faire du bien à tout le monde. Aimez donc vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux et celles qui vous maudissent, priez pour ceux et celles qui vous calomnient. C'est tout un programme de vie. Je me demande, est-ce que nous sommes en mesure, nous, ce soir, à appliquer cela, prier pour ceux-là qui nous maudissent, aimer ceux-là qui nous haïssent, bénir ceux qui nous maudissent, ceux qui nous calomnient. Il faut être toujours à la réponse. Faire du bien, bénir et prier. Voilà le programme de Jésus. Jésus appelle ici à répondre toujours à l'hostilité, par l'amour, par la bénédiction. Quand tout le monde est contre toi, quand on s'oppose à toi, que faut-il faire? Il faut répondre par l'amour. L'amour est la chose la plus puissante au monde. Au lieu de dire la réciprocité, l'œil pour l'œil, dent pour dent, je te ferai comme tu m'en as fait. Non, Jésus dit non. Je ne veux pas ça. Vous avez le devoir et le devoir de vous aimer comme moi je vous ai aimé. Et pour cela, il donne trois exemples de non-résistance. On te gifle. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes l'autre jour, paf, on te donne un pas. On te prend ton manteau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse ta tunique aussi.
si quelqu'un vient chez toi pour prêter quelque chose, n'exige pas le retour. Laisse la personne aller. Ma question donc à nous ce soir. Est-ce que les exigences de Jésus sont-elles réalistes? Donc, pour tout le monde, on peut trouver la paix, non? Est-ce que c'est réaliste? Quelqu'un qui te maudit, toi tu bénis, tu viens voler mon habit, voilà, t'as à faux corps, pas toi, que toi y es. Le vignon, elle est déjà, un domino amère, me dati au bébé, y a fort, y a ton tout, y a tes belles. Je souffre, il y a un diable, il y a un c'est la parole des fous dans notre société, surtout notre société d'aujourd'hui. Mais j'aimerais retourner la question autrement. Jésus, dit-il vrai? Est-il vrai que le meilleur moyen de stopper la spirale de la violence est de ne pas riposter? Est-ce qu'il dit vrai? La violence appelle toujours la violence. Donc, en cela, la recommandation de Jésus, Yesu Konu Piatou Miasi Moula, un ennemi, quel est tes peines? Bernare, voilà, Miatasi. Laissons tout cela de manière conforme, agissons. Donc, Jésus ici prône une attitude non violente en face de celui-là de l'autrui qui cherche à venir violer votre espace, à vous agresser en parole, en acte et en action. Jésus, pour lui, il faut que on laisse tout couler, aller tout doucement, et pour le bien-être de la société. J'avais un professeur, il a posé en seconde et en première, c'était à mais quand il dit à mes amis, vous devez vous déranger pour ne pas déranger les autres. Qui se dérange ici dans cette salle pour ne pas déranger les autres? Qui se dérange ici? Mais quel est ce que nous avons? Notre société est faite de ces personnes-là qui sont prêtes toujours à inquiéter les autres et ne s'inquiètent jamais. Qu'ils dérangent les autres. Et puis, ah ben, ce monsieur que vous connaissez très bien, Mahatma Gandhi disait, vis simplement pour que d'autres puissent vivre, puissent simplement vivre. Vis simplement pour que d'autres personnes puissent simplement vivre. Nous ne voulons pas vivre simplement. C'est ça la source des pleurs, de la violence, de la guerre, des haines dans ce monde. Si et seulement si nous cherchons à vivre en harmonie avec les enseignements du Christ, notre monde sera heureux pour à vivre. Jésus, dans cet enseignement, qu'est-ce qu'il dit en conclusion? Je reviens au verset 31. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. On est prêt à agresser l'autre. Même si nous ne pouvons pas le faire, on va exiger de l'autre de le faire. Ce que nous sommes incapables de faire, nous demandons cela aux autres de le faire. C'est là le problème. N'exigeons pas des autres ce que vous êtes incapables de faire. Moi, je pense que c'est l'appel que Christ nous lance en cette fin d'année. Le
croyant est donc invité dans ce texte à élever ses rapports humains, ses relations humaines. Je peux agir facilement, faire du mal à l'autre. Si vous le faites, qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que l'Évangile dit? Vous devenez des non-croyants. Vous m'avez dit Christ au taureau. Ah ben, alors qu'on a mis les liens. Ah ben, et si vous prêtez seulement à ceux que vous attendez qu'ils vont vous les rembourser, vous êtes des incroyants. Parce que même dans le monde, ceux qui ne croient pas le font. Qu'est-ce qui va être la différence entre vous les chrétiens, nous les chrétiens et chrétiennes, et ceux de ce monde, ceux qui ne croient pas? Jésus donc nous invite en cette fin d'année pour pouvoir entrer dans l'année 2023 à changer de comportement. Je ne sais vraiment pas quels sont vos rapports ici à Paris. Au cours de l'année qui finit, cette année qui finit, là, je ne sais pas. Quelles sont vos relations? Tout à l'heure, nous allons entrer en prière. Hein? N'hésitez pas. Si vous avez blessé quelqu'un, l'un d'entre vous, allez vers cette personne-là et réconciliez-vous. Cette année finit. Et dans quelques minutes, nous allons débuter une nouvelle année. Quelles seront nos relations pour l'année 2023? Allons-nous aimer ou bien nous haïr? Allons-nous taper dessus? Attention, je dis, est-ce que Midian est pour mon ami à mon erreur? Ce ne sont pas les baisers de Judas. Dans nos sociétés, dans nos communautés, on se comporte comme des Judas. Retenez ceci. Chaque arbre sera reconnu par les fruits qu'il porte. Et amitié au foie, bien clé, ne n'est pas bien, elle a tout fait pour nous vendre. Ne nous trompons pas. Dieu récompense conformément à nos comportements. Mais il est un Dieu miséricordieux également. C'est en cela que nous sommes des chrétiens, c'est des chrétiennes. Pardonnez. Notre prière, donc ce soir, est de veiller sur nos relations pour plaire à Dieu, pour créer une très bonne ambiance parmi nous et que nos prières, nos requêtes, nos demandes soient exaucées par Dieu l'Éternel qui nous ouvre les portes de la vie, qui nous ouvre les portes de l'abondance, qui nous accompagne chaque minute et chaque jour. Je termine en nous disant simplement que nous sommes à notre moteur de Amém. Que tu se mude nela. Nesse louco. Mal grande batalha.